Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens avec un apartment tour. Pour être très honnête avec toi, c'est pas une vidéo qui va être hyper intéressante et où il va y avoir des milliers de conseils, mais c'était une petite vidéo qu'on m'a demandé de faire, sûrement parce que mon appartement a l'air plutôt sympa de l'extérieur. Tu vas voir que en réalité, il fait à peine 18 mètres carrés et que on a très très vite fait le tour, mais je trouvais ça assez intéressant et rigolo. Notamment pour piquer ta curiosité, de te montrer un petit peu mon appartement parce que c'est vraiment mon chez moi. C'est un endroit où je me sens hyper bien et dont je suis très fière d'avoir un petit peu aménagé. Pour te raconter un petit peu mon histoire avec les logements, parce que c'est quand même genre la cinquième fois en 3 ans que je déménage, je suis quelqu'un d'assez casanier dans le sens où j'ai vraiment besoin d'avoir un chez moi et d'avoir un endroit où je me sens bien, en sécurité. Et vraiment avoir un petit cocon rien qu'à moi. C'est pour ça que habiter avec d'autres personnes, pour moi, c'est hyper compliqué. J'ai jamais fait de colocation, etc. Et je sais que c'est quelque chose qui ne me conviendrait pas du tout. Mais chacun a des visions différentes là-dessus. Je sais que ma meilleure amie, par exemple, a vécu en coloc et ça lui convenait plutôt très bien. Donc voilà, chacun a son avis là-dessus. Moi, j'aime vivre toute seule et c'est quelque chose qui me correspond bien. J'ai déménagé énormément de fois, tout simplement parce que mes deux parents ont déménagé, chacun de leur côté. Et moi, j'ai changé 3 fois d'appartement en 3 ans. Je fais mes études dans la même ville depuis 3 ans. Mais j'ai changé d'appartement toutes les années. La première année où je suis arrivée ici, j'avais vraiment un appartement qui était vraiment génial, génial, qui venait d'être rénové, pas forcément très bien, mais qui était vraiment très grand, où il y avait toute la place dont j'avais besoin et c'était vraiment top. Mais pour des raisons personnelles, j'ai décidé de déménager et là, je suis partie dans un appartement, certes un petit peu moins cher, mais vraiment, je crois que ça a été la pire expérience logement que j'ai jamais eue. C'était un appartement dans une vieille résidence étudiante, donc l'appartement était de 1 plus petit, mais bon, ça c'était pas forcément le point le plus important, mais il était vraiment dans un état pitoyable, dans le sens où, par exemple, j'avais une fenêtre qui était gondolée, enfin même la seule fenêtre que j'avais, elle était gondolée, et du coup l'hiver, il faisait environ même pas 18 degrés dans mon appartement avec le chauffage à fond. Ma cuisine faisait même pas un quart de la cuisine que j'ai maintenant et tu vas voir ma cuisine actuellement est assez petite. Enfin bon, c'était vraiment pas du tout un appartement où je me sentais chez moi et où je me sentais bien. Limite, ça m'angoissait de retourner chez moi, de savoir que j'allais être toute seule dans un appartement où je me sens pas bien. Et du coup, cette année, je me suis vraiment mis à fond dans les recherches d'appartements pour ma dernière année ici. Et j'avais vraiment une liste de critères vraiment hyper importants. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je veux vous donner. Si jamais vous recherchez un appartement ou un logement, faites-vous une liste de critères que vous voulez absolument dans votre appartement ou dans votre maison ou logement, quoi que ce soit. Mais faire des compromis sur des critères qui, pour vous, sont importants, c'est vraiment pas possible. Si vous voulez vous sentir bien chez vous, il faut vraiment qu'il y ait tout ce dont vous avez besoin. Moi, je sais par exemple que un four dans ma cuisine, c'était hyper important. Ça peut paraître débile et dérisoire pour certaines personnes, mais moi, j'adore cuisiner, j'adore faire de la pâtisserie, etc. Et sans four, c'est quelque chose que je pouvais pas faire. Et donc, pendant 2 ans, j'avais pas de four et je vous avoue que ça m'a énormément manqué. Et donc là, j'en ai un. Merci. Et ça me fait vraiment trop plaisir et je sais que je peux cuisiner comme j'en ai envie et franchement c'est top. Donc cette vidéo ne va pas être hyper longue parce que comme je te l'ai dit, 18 mètres carrés, on en a très facilement fait le tour, mais du coup je vais te faire faire un petit tour de mon appartement en te donnant quelques petits conseils qui moi me paraissent importants pour aménager un si petit espace. Donc voilà, je te laisse avec la vidéo. Donc, quand on rentre dans mon appartement, on tombe sur le petit meuble où je mets toutes mes plantes et toute ma déco. Donc voilà un petit aperçu de mon appartement en entier. Je tiens à préciser que je filme avec le grand angle de mon iPhone. Et du coup, c'est possible que ça déforme un petit peu l'image. Mais sinon, je suis tellement petite que j'arrive pas à faire en sorte que ça rentre bien et qu'on voit à peu près tout mon appartement. Donc là, c'est une pseudo-buanderie où j'ai ma machine à laver qu'il fallait que je vide et où j'entrepose aussi tous mes produits ménagers, comme ça traîne pas partout. Ensuite, on peut rentrer dans ma salle de bain qui est vraiment toute petite, mais franchement, ça suffit.
J'ai essayé d'optimiser au maximum. Donc par exemple, dans les tiroirs, j'ai mis des caisses et des petites boîtes, histoire que ce soit pas tout en bordel dans mes grands tiroirs. Et j'ai aussi mis une petite étagère dans ma douche, histoire que mes produits ne traînent pas partout. Ensuite, un petit aperçu de ma cuisine. Alors, elle est encore toute petite, mais ça me suffit, j'ai vraiment pas à me plaindre. J'ai assez de rangement pour mettre tout ce que je veux. Mais j'ai quand même réussi à optimiser à fond jusqu'au derrière de mon frigo. Donc ça, pareil, c'est un conseil que je peux te donner, c'est d'optimiser chaque centimètre carré. Pareil dans mon dressing où j'ai mis ma télé et voilà mon bureau qui est pas forcément hyper bien rangé, mais j'ai toujours des tonnes et des tonnes de papier. Donc voilà. Voilà, cet appartement de tour est maintenant terminé. C'était assez rapide, mais j'espère que tu as pu en tirer quelques petites idées et quelques petits conseils. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un commentaire et surtout à t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao, ciao!